Quand il n'y eut plus au village un seul homme capable de payer pour aimer Erendira, grand-mère décida de l'emmener sur les chemins de la contrebande. Grand-mère se protégeait avec un parapluie démantibulé. Elle respirait mal, torturée par la chaleur et la poussière. Mais même dans son infortune, elle conservait la plus parfaite dignité.